think. Oui. Oui, nous avons dit 20 ans. Votre maître. Et ceux qui ont construit ça, ils devaient quand même le savoir, c'est leur métier. Ah, sûrement, parce que déjà à cette époque-là, l'argent pour construire ça, ben, on a mis une partie dans sa poche et le reste est là, je n'en sais rien. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les problèmes, surtout de détérioration des bétons, c'est qu'en général, il s'agissait d'éléments préfabriqués qui étaient amenés sur le chantier, donc qu'il aurait certainement fallu tester, quitte à en démolir quelques-uns pour voir ce qu'ils avaient dans le ventre, et probablement ça n'a pas été fait. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il tombe en morceaux, vous savez. Déjà en 93, ça tombait en morceaux. Et donc, si je comprends bien, il y en a encore plein qui vont s'en remplir plein les poches dans les années à venir, quoi. Mais encore une fois, monsieur, ce n'est pas le genre de remarque que je peux tolérer. Je ne vois pas ce qui vous permet de dire ça. Qui va s'en mettre plein les poches et en fonction de quoi et sur quelle base, etc. Je sais que la corruption est à la mode, mais enfin, moi, je ne vois pas en fonction de quoi on peut dire aujourd'hui il y en a qui vont s'en mettre plein les poches. Je suis désolé. D'abord, ce n'est pas nous qui le ferons, puisqu'une structure va être mise en place à cet effet, mais enfin, il y a la loi sur les marchés publics, il y a les consultations, il y a un certain nombre de choses. Nous avons une tutelle qui est là pour vérifier si les règles sont bien respectées. Bon, voilà. Et cette tutelle n'existait pas donc dans les années 70? Si, absolument. Et alors donc, comment se fait-il enfin qu'on ait employé de mauvais matériaux? Une fois de plus. Là, je ne sais pas vous répondre, je n'y étais pas. Tout ce que nous constatons aujourd'hui... Non, mais vous dites qu'il y avait une tutelle. Il y avait une tutelle qui était la Société Nationale du Logement. Une tentative? Ils n'ont pas réussi? Non. Ça s'y ferait mieux leur pitch, il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas. Ah, ben oui, hein. Il devrait avoir plus de rondes de police, ça maintiendra un petit peu plus les gens chez eux qui veulent faire des hold-up et tout ça. À part si. Une fois qu'ils tournent, ben, ceux qui font des casses et tout ça, ils sont plus tranquilles, comme par hasard. De toute façon, c'est toujours les mêmes. Ils ont déjà nargué les policiers, même l'année passée. Ils ont piqué une mobilette devant le nez, la barbe d'un motard. Ils ont attaqué le motard. Ils sont tous venus, les policiers. Ils ont retenu les jeunes 2 jours et ils ont lâché. Ça sert à rien, c'est toujours les mêmes.
Vous savez pas où il habite? Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, moi, le monsieur. Merci. Elle va dénoncer demain, elle aura un coup dans le dos. Alors, tu penses bien que la personne ne va pas les dénoncer, ben, hein? Ici, il faut se voir et ne rien dire. Ah oui, si c'est fermé son bec, il sait. T'es pris ben oui. Part. Sinon, t'as toute la famille, t'as tous les copains sur ton dos. Tu veux les saquettes? Surtout l'argent. Tu veux tout. Tu veux tout l'argent. نحيق لي يا تجف العذاب ويا يا من عشان سفري اللي يعطيني الصبر ويا ليلي يا نحيق لي يا تجف العذاب ويا من عشان سفري اللي يعطيني الصبر ويا ليلي six mois exactement et qu'on répète jour, enfin pas jour pour jour, on répète exactement trois fois par semaine, puis maintenant c'est deux fois par semaine parce qu'il y a plusieurs groupes qui naissent ici dans la maison de jeunes du Clash quoi, et maintenant on a le local lundi, enfin, le mercredi et le vendredi quoi, on a deux heures maximum par jour. Non mais non, dans ces cas là qu'est-ce que tu fais? Dans ces cas là continuer. Non, non, mais non non, si tu rentres direct sur place, il n'y a pas de problème, c'est ça en fait, direct. Non, non, sérieux. Dans la vie, tu fais quoi? Moi, je travaille actuellement dans une... Enfin, j'ai travaillé dans une usine de gaz, puis maintenant, je suis un intérimaire, quoi. Par-ci, par-là, un jour par-là, un jour de l'autre côté, ça dépend, quoi. Non, c'est pas grave, vas-y, continue, vas-y. On va faire la rue, puis on... Non, fais deux fois la mélodie, comme deux fois la mélodie, tu t'arrêtes, puis moi, je repars après. Et votre rêve, c'est quoi? Votre rêve? Faire une avant-première de Chap Caleb. Enfin, le rêve, ouais, ça serait vraiment un truc qu'il faut vraiment, 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 faire, vraiment plaisir. Faire, on vient faire une chanson avec Khaled. Ah, ça là, ce serait vraiment super. Voici des pains, des bijoux. Aussi, au retour de ton cou. Des fruits, bien mûrs au goût de miel. Ma vie a échassé. Vous comptez vos sous, madame? C'est la fin du mois? Oui. Vous avez une fin de mois difficile? Avec 30 000 francs, c'est pas facile, hein. Déjà 10 000 et demi de loyer. Il reste 19 500 pour faire quoi? Pour payer l'électrique, pour payer les eaux, le gaz, hein. Vous avez des enfants encore? Non. Paul, c'est mon dernier. Quand il vous a appris sa décision de se convertir à l'islam? C'était son idée. Il a chargé, puis voilà, quoi. Si vous voulez, Georges... Comment? J'ai fait une bêtise. Le soir, je suis rentré. J'ai fait un rêve. Comment? Ce rêve-là, c'est... J'étais dans un trou noir. J'ai vu une lumière. Comment? Après, je voulais prendre la lumière. Elle était trop brillante, toi. Et plus je m'approchais de la lumière, plus ça me faisait du bien. Puis, je sais pas, la lumière, elle s'est bloquée à un moment donné. J'arrivais plus à aller plus. J'essayais tout. Je sais pas, j'avais quelque chose qui me bloquait, une séparation. Et puis, quand je me suis retourné vers la droite, j'ai vu une sale tête comme ça. Une sale tête déformée, je sais pas, j'avais vraiment peur. Puis je me suis réveillé d'un coup en regardant la lumière. Je me suis tourné d'abord vers la lumière, je me suis réveillé d'un coup. Et quand j'étais dans ma chambre, j'étais réveillé. Hein. J'ai vu la lumière dans ma chambre. Et la lumière, elle est partie, je l'ai suivie comme ça, elle est partie. Et puis là, je me suis réveillé, j'étais à la mosquée, je suis parti dans l'islam. Cette lumière, pour toi, c'était l'islam? Pour moi, cette lumière-là, j'ai lu dans le Coran que c'était la...
Dieu se représente sous forme de lumière. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, monsieur Alexandre? Oh, moi, je... Maintenant, je suis au chômage. Avant, j'étais militaire de carrière. Et avant ça, j'étais au chemin de fer. Et la vie ici, dans le bloc, comment ça se passe? Ben, disons qu'avec le Maghreb, ben, ça va, j'ai pas de problème. C'est pas comme certains. Certains Belges, ça va. Mais disons qu'on ne fréquente pas trop parce que ce sont déjà... Je veux dire... Il y en a dedans qui sont racistes, d'autres qui sont... Je sais pas, ils aiment bien les cocos. Et moi, ça m'intéresse pas tout ça. Le problème, c'est les Belges, quoi. Ouais, beaucoup. Agressé par deux voyous. Où cela? Au magasin, au match. Comment cela? Vendredi à 18h15, ils ont monté à deux dans l'ascenseur, et puis on a descendu. Alors, vous avez été en crasse sur votre manche, et ils frottaient ma manche sur le temps que l'autre poignait dans mon portefeuille. Le concierge s'est fait dévaliser pendant qu'il était en vacances. C'est elle qui cherche les jeunes. Hein. Elle a vu tout le temps aux jeunes. On doit vivre avec tout le monde, pas seulement avec les vieux. Hein. Ça s'est passé quand? Je sais pas, hier soir, seulement, je sais pas. La porte, elle était à moitié pétée, elle était couchée par terre. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Un vidéo. C'est des mauvais voleurs. Parce que le mari de la concierge, quand elle est rentrée, elle a dit une vidéo, je m'en fous, mais il y a une chose que je veux voir. Elle est allée tout près du tiroir, elle a ouvert le tiroir et elle avait l'enveloppe avec l'argent dedans. 60 000 francs. Normalement, à la place de prendre ta vidéo, je prends les 60 000. T'aurais pris les 60 000? Moi, j'ai repris les 60 000, j'aurais pas repris la vidéo. Monsieur, pourquoi vous nous filmez? Parce qu'on vous aime bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, madame, d'après vous, pour aider tous ces jeunes à mieux vivre leur vie? Je sais pas ce qu'on peut faire. Tu vis de quoi et avec quoi? Je vis de quoi et avec quoi? L'aide du CPS. Et plus tard, qu'est-ce que t'aimerais faire? Plus tard, réussir dans la musique. C'est tout. Le rêve de Paul, c'était de rentrer à l'armée. Maintenant, la musique, mais avant, c'était le rêve de Paul d'aller faire son service et de se engager. Puis il n'y a rien pour les jeunes. Mais aussi. Le problème, c'est l'État. Hein. C'est l'État qui ne doit plus les laisser rentrer. Il y en a trop ici. M'en fous, moi, je suis pas raciste. Tu as quel âge? 17 ans. Tu es en quelle année? Je passe en 6e. Dans un an, j'ai fini. Je compte faire l'université, le droit, les études de droit. C'est formidable, monsieur Calbongo. Oui, ça nous fait plaisir. D'autant plus qu'au collège Saint-Louis, où ils sont... C'est une école où il y a une certaine rigueur. Et nous, ça nous fait énormément plaisir parce qu'ils n'ont jamais doublé. Et qu'ils sont parmi les élèves qui sont appréciés.